Chère sœur, chers frères congolais, je m'appelle John Mpaliza. Je suis évidemment congolais, Congo, République démocratique du Congo, évidemment. J'habite en Italie, plus précisément à Reggio Emilia. Je travaille ici, je suis bien intégré ici. Et je suis en train de marcher pour notre pays, pour notre bien-aimé pays, pour essayer de sensibiliser plus de personnes possible sur la situation dans laquelle se trouve notre pays, pour dénoncer le génocide, les massacres qu'il y a eu dans notre pays et dont on ne parle pas. Donc l'année passée, je suis allé à Santiago de Compostela en Espagne. J'ai fait 900 kilomètres en 26 jours, parlant avec à peu près 1000 personnes. Et cette année, je pars à Rome en partant de Reggio Emilia, la ville où j'habite. Je vais faire à peu près 600 kilomètres. Et j'espère pouvoir remettre à Rome certains dossiers, j'espère, à certaines institutions italiennes. Donc, je vous envoie ce message via Facebook, de manière que vous sachiez qu'il y a quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, cherche de faire quelque chose. Comme ça, comme je demande à vous aussi de faire n'importe quoi, pour pouvoir parler de notre pays. Si vraiment vous aimez notre pays, vous pouvez organiser des rencontres, vous pouvez organiser n'importe quoi pour faire connaître la situation, malheureusement, que nos frères et sœurs au Congo sont en train de subir. Je vous prie de pouvoir passer ce message à vos amis sur Facebook, à vos amis, je ne sais pas, sur YouTube ou via email. De manière que, quand même, il y ait certaines personnes qui puissent un peu encourager cette action. Parce que je suis soutenu ici en Italie par la municipalité de Reggio Emilia et la province de Reggio Emilia. Et j'espère que vous aussi, d'une manière ou d'une autre, vous pourrez aussi me soutenir. Donc, je vous demande d'aller quelquefois sur www. facebook.com/peaceman, et là vous allez trouver jour après jour tout ce que j'ai fait, tout ce que je vais faire pendant 3 semaines. Et là vous pouvez aussi écrire tout ce que vous voulez, les encouragements, et je vous remercie beaucoup.